Je m'appelle Nam Ngomo, prénom Samuel, habitant de Bel Air Tchad. Vous êtes vraiment témoin de l'image. Regardez d'abord ce que ça donne comme insalubrité. Et puis vous voyez derrière vous les tuyaux qui ravitaillent les gens qui sont peut-être à 1 ou 2 km d'ici. Donc nous avons un problème d'assainissement, problème d'adduction d'eau. Le courant est à peine quelques temps, un an et demi, qui vient de nous mettre les poteaux électriques. Donc, nous vivons dans ces conditions-là. Si l'eau vient aujourd'hui, il faut attendre une semaine, voire même un mois. Donc, nous sommes insatisfaits des prestations des services d'AMSG par rapport à ce sujet-là. Les difficultés quotidiennes, c'est le passage, vous voyez, l'accès est difficile, il n'y a pas de route, il manque d'eau, le courant, c'est compliqué, tout est compliqué ici. On n'a pas accès à l'eau potable, on n'a pas accès à la route, même pas au courant. Tout pour avoir ça, c'est difficile, c'est vraiment compliqué. Il y a un grand problème d'eau ici, et la route aussi. Lorsqu'il pleut, il y a trop de boue, on a du mal à passer, quoi. Bon, ici, ce qu'on trouve comme difficulté, c'est d'abord le problème d'eau. Rien que ceux qui ont les suppresseurs qui ont de l'eau ici la journée. Ceux qui en ont pas, ils doivent attendre la nuit, autour des 24 heures, pour avoir de l'eau. Bon, le deuxième problème, c'est la route. La route ici, là, les clans d'eau n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de route. Ça, ça va être en haut là-bas. Ceux qui sont plus loin n'ont pas accès aux clans d'eau pour aller en ville. Comme vous le constatez, on fait face à des difficultés qui sont vraiment pérennes par rapport à l'accès dans le quartier. On n'arrive pas vraiment à entrer avec des véhicules dans le quartier à cause de l'état de la route. La route est tellement délabrée que nous sommes obligés de faire avec les moyens de bord. Voilà, papa il est malade, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de marcher à pied parce que les véhicules refusent d'entrer parce que la route est en très mauvais état. C'est un peu ça la difficulté dont on fait face. Pourtant, si la route était en bon état, le taxi, le clan d'eau pourrait directement nous déposer dans le quartier. Bon. Vu que la route est délabrée et rien n'est fait là-dessus, donc nous sommes obligés de subir comme vous le constatez. Quand quelqu'un est malade, quand une dame veut accoucher, on fait comment pour sortir? C'est vraiment compliqué. Donc on ne sait même pas à quel sens se vouer. Parce que quand il y a des femmes qui veulent accoucher la dernière fois, même quand il y a eu le confinement total, il fallait qu'on appelle le SAMU. Le SAMU a pris la dame presque à l'école publique. Mais pour sortir de là-bas jusqu'à l'école publique, elle pouvait accoucher en route. Bon, s'ils peuvent essayer de nous arranger, c'est tout le problème d'eau. Hein. Parce que ici, là, vraiment, c'est comme si on était au désert. Il y a un gros problème d'eau ici. Donc, ils peuvent mettre l'accent sur l'eau ici, sans nous arranger la route. Parce que c'est pas seulement ici, hein. C'est devant là-bas aussi, c'est tellement cassé. Il y a du mal à marcher. Nous voulons que l'État vienne regarder la route et nous aider. À mettre le courant, la route. Et là, il y a les élèves qui apprennent ici. Pour sortir, c'est compliqué. Le matin, il y a la boue. Quand il pleut, les enfants, ils sont vraiment dans les arbres. Vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. On veut vraiment que les enfants ont la possibilité d'aller à l'école rapidement comme les autres enfants. Les clans d'eau ne rentrent pas facilement. Pour faire rentrer un clan d'eau, il faut demander 2 000, 2 500. Comme si on était vraiment à l'autre bout du monde. Or que nous sommes toujours à Libreville. Bon, je lance un appel à l'endroit des autorités, s'ils peuvent, n'est-ce pas, essayer de trouver des moyens pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, à cet empêchement, à ce problème. Et une aide de ce genre-là serait la bienvenue. Au moins, ça nous arrangerait la route pour que les usagers puissent sortir et rentrer chez eux en toute sécurité. Sans trop de difficultés. Tout Gabonais, tout le monde souhaite avoir un minimum de bien-vivre social, l'eau, le courant en permanence, peu importe le prix. Mais pourvu que ce soit en permanence avec vous. Sinon, nous vivons avec les puits que les uns et les autres creusent, avec
ce que ça comporte comme incident. Bon, pas d'hygiène publique en la matière, mais on y vit avec l'eau pour boire. On est obligé d'aller à l'école publique. Là, vous êtes passé à l'école publique de Chavonnaz. Si l'eau est coupée ici, là, ou bien vous partez à l'école publique d'Amboué là-bas, pour se ravitailler en eau, disons, propre de la SEG. Mais si vous n'avez pas les moyens physiques pour le faire, vous faites comment? Vous vous cantonnez à prendre l'eau de puits. C'est une adresse publique aux autorités, au maire du premier arrondissement là-bas, pour qu'il investisse un peu les moyens. Ne suffisent que les visites sur le terrain pour constater de visu ce qui se passe avec les habitants de Bel-Air-Tchad. Bon, peut-être vous êtes les bienvenus pour que vous ameniez un peu ce message-là, afin qu'ils se disent que ah, là-bas, quand même, il y a des gens qui vivent, mais dans quelles conditions? Je viens de vous les décrire sommairement. Regardez vous-même par l'image. Hein, regarde, nous sommes derrière une église qui a accepté de faire passer les tuyaux d'eau pour alimenter les voisins. Sinon, ce n'est pas possible.